Donc, on va commencer par un mec. Si je devais citer un streamer qui mériterait ce week-end d'être hosté, je partirais sur le bon Dub Off, que l'on salue. Salut. Oh, salut, chaud. Fais un top 10 sans armes et tu gagnes 500 euros. 10 sans armes et tu gagnes 500 euros. Waouh. Ok, attends, j'ai quelque chose à te montrer avant, chaud. Chaud. Si tu vois cette annonce en ce dimanche 17 avril 2022, quoi ? Sache que ça fait maintenant 318 jours que tu es follow sur cette chaîne. Et depuis ton dernier passage, j'ai step up. Parlons même de glow up. Si tu te souviens, les gars, je suis pas au courant. Dans l'un de tes derniers passages, tu m'avais déjà proposé un défi. Si tu fais un top 1, on fait un duo la semaine prochaine. Malheureusement, j'ai pas réussi cette mission. Mais je t'ai fait la promesse que la prochaine fois, je serai prêt. Alors vas-y. Cette fois-ci, je suis prêt. Quel est le défi, Lord? C'est un génie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ne te pends pas. Ne te pends pas, on fera un duo. Qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Comment? Mec! Ok, ça... c'est bon, pour toi mon show. Sorry, j'étais mute, j'ai pas pu faire mon petit truc. Mais voilà, vous avez compris. J'ai lancé la game se lance tout de suite, ça part les gars. 500 euros le top 10, 700 euros le top 3, 1000 euros le top 1. Je dis pas de bêtises, chaud. 500 euros, top 10, 700. Attends, quoi? Top 10, 700 euros, top 3, 1000 euros. Non, attends. J'ai 4000 balles à liquider, frangin. Ça va pas partir tout seul. Oh, bordel de merde. T'imagines, tu lances ce genre de game, la pression que tu as. Et du coup, on est parti sur 500 euros le top 10, 700 euros le top 3 et 1000 euros le top 1. Oh, une caisse rouge. Nice, ok. J'ai 5004. C'est bien, c'est bien. Tu te régales. 5700, c'est 7500 pour le loadout. Juste le fait, en fait, qu'il est imposé à sa meuf qui écrit chou à chien en lettres, en plein milieu de son salon. Juste ça, il mérite de percer, tu vois. Non. Ah, c'est bon. Ça aurait été énorme. Oh, mec, ça aurait... Pourquoi est-ce que j'ai envie qu'il lui arrive du malheur? On est top 18, les gars. Oh, bordel. On est top 18. Il décide de faire la stratégie du extrêmement safe. Comme il l'a dit, c'est pas le meilleur joueur, donc il joue avec ses qualités. Il est sur le bord de zone, extérieure zone. C'est-à-dire que là, il est super bien. La zone va avancer. Il y a moyen qu'en zone 3, il soit déjà plus que 10. Vous savez que c'est un grand moment pour moi, je l'ai pas mal attendu. Et il est là, donc... Ah, c'est trop cool. Il est pas mignon, cet enculé. Les gars, plus que 3 personnes, et il gagne 500 euros. Et du coup, ben, cet argent, il va me servir à rembourser ce crédit que j'ai fait à mes parents. Et ça pourrait être trop cool. Peu cher. Il essaie de réaliser son rêve, tu vois. C'est trop beau. J'ai encore ma caisse de mune. J'ai encore une autoréa. J'ai mon masque à gaz. Top 9. Pour t'insérer correctement dans une zone comme ça, tu attends que le gaz push. Tu attends que le gaz avance. Tu avances avec le gaz tranquillement. Tu te positionnes. Et en fait... En ayant zéro intelligence de jeu, sans savoir jouer, tout le monde peut arriver à ce stade-là. Tous les défis que je donne sont clairement réalisables. Je lui donne le droit de tuer, les gars. Oh, j'ai le droit de tuer? Tu peux tuer? Ok. Ok, vas-y, ça joue. Genre là, c'est en ton âme et conscience que t'as zéro kill top 6. Hein. Et j'ai pas d'arme. Moi, j'y suis pour rien, commence pas à m'accuser. Là, il pourrait faire une rota en ballon, ce serait royal. Super idée. Comme ça, il évite ce campagne-là et celui du dessous. Tchouf! Il décolle, tel un oiseau. Là, tu rentres dans la niche. Non, pas sur le toit de la niche. Dans la niche. You're taking fire. You need assistance. Forcément. Eh, va à l'intérieur, va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Back. Oh, l'eau. Oh, oh. Il touchait l'eau, c'était fini. Il a dû se froisser son cœur. Top 4. Voilà, les 700 euros, peut-être. De dos de la mort. Mais la frappe. Attendez, pas tout de suite. La frappe, pas tout de suite. Là, maintenant, la 700. Frappe. J'attends. Ne surtout pas appuyer sur rentrer. Je crois que je lui ai porté l'œil, les gars. Il y a le truc. Je crois que je lui ai porté. Je l'ai loupé? Non, je l'ai pas loupé. Je lui ai porté l'œil. Oh, c'est la panique. La rota à travers le gaz. Là, il va falloir qu'il rote en diagonale. Il va falloir être rapide. Ouais. Il retombe exactement au même endroit. Il escalade la caisse. Il monte sur le béton. Hop, il décide de faire la rotation dans le gaz. C'est ce qu'il y a de plus malin. Mais il panique. Il arrive pas à monter la caisse pour la troisième fois. Hop, il prend l'escalier. Dub qui avance. Top 3, c'est les 700 euros qui sont validés. Peut-être Dub pour les 1000 euros. Pour rembourser sa caméra. Reprends le bouclier.
Non. Frérot. Frérot. Non. Bah c'est déjà bien. C'est déjà bien frérot. C'est déjà bien. Tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi. T'es notre première invité. T'as assuré. J'ai mis ce clic sur le capteur cardiaque. Je voulais absolument reprendre mes paras pour jouer le top 1. Je savais que sans les paras, je pouvais pas faire le top 1. C'est déjà très très... Tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi, poulet. T'as raison. Courant pas heureux. Il est content. Merci à tous pour vos follow. Merci encore beaucoup. On va valider PayPal, chat. Payer 700 euros à Dub. Pas ça. Reçu. Oh putain, je l'ai eu, les gars. Vous payez, show H1, 700 euros. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu l'alerte. Normalement, il y a une alerte, mais merci beaucoup, le Lord. Les 700 balles qui sont tombées. Mais derrière, mon frérot. Passe une belle soirée, kiffe bien, Dobof. Cet après-midi, en se baladant avec Micheline sur pas mal de live et en essayant de donner de la force à des personnes, on est tombé sur une streameuse très gentille, adorable, et elle paraissait un peu tarée. Voilà ce qui s'est passé, chat. Je lui ai demandé de se présenter. Ah, que je sois Nabina. Ben, je m'appelle Bina Chan, je stream depuis à peu près un an et demi. J'habite à Marseille et j'aime trop troll. J'aime trop me déguiser, j'aime trop troll. J'aime trop les gens de télé-réalité en fait. Les refaire, c'est ma passion. Je lui ai demandé, et c'est ça ma spéciale surprise, de faire la cagole, de nous amuser, de nous régaler. Donc, ce que vous allez voir, c'est du second degré. La meuf est complètement normale. Ça a l'air Twitch. Let's go, il est là. De nous rentrer 3 trickshots. Enfin, trickshot, quickscope, excusez-moi. 3 quickscopes en une partie, en rebirth, toute seule. Et si elle y arrive, on lui enverra 600 euros. Je comptais mettre 400, mais le fait qu'elle se soit maquillée, elle se soit gagolisée exprès, elle mérite de l'argent. Vous allez voir des trucs de malade. Vous allez voir des trucs, vous allez péter vos têtes en fait. Elle a des grosses couilles, chat, de faire ça. Il y a 9000 personnes qui regardent. Fait. Ouah, putain, qu'est-ce que tu as pris? Oh, malheur. Tu win la game, crois, non? Tu win la game en plus. 1000 euros. Naki, ta game, lance solo, 3... Non. Et tu win la game, oh, ok. Bon, les filles, à tout à l'heure. Il y a du gros mouvement, il y a du quickscope. Je pense que ça va régaler. Est-ce que ça compte? Tu peux me dire, s'il te plaît? Quand je te croise, tu vas voir. Vaut mieux pas que je te croise dans la map. Je crois en elle. Ok, donc elle va sauter bio Whippo de Lob. Est-ce qu'elle va prendre le top, le premier étage, le deuxième? Hop, petit escalier. C'est bon. Ça y va. C'est parti, les gars. Allez. Allez, c'est parti. Ça va la mettre en confiance, ce premier kill. Ah, là, elle a fait une erreur. Enfin de Borgi. Alors là c'est le moment où il faut vraiment je vais aller où maintenant qu'elle stresse pas et qu'elle active son intelligence. Imagine, je meurs maintenant. Pourquoi les gars? Pourquoi? Alors. Parce que là actuellement quand elle est en parachute, ça ne compte pas dans le temps. Il va falloir qu'elle atterrisse quelque part et à partir du moment où ses pieds auront touché le sol, il faut qu'elle tienne 10 secondes sans mourir. Maintenant. Donc elle choisit un mauvais bâtiment. Ah, là, non. Tu vois, elle a attendu, elle a entendu quelqu'un à l'intérieur, elle part à l'opposé. Et là c'est bon, elle est partie pour courir au milieu de la route pendant... Juste là, regardez chat. Mais non, c'est bon, elle peut recourir. Allez, c'est bon. Hop là, y'a plus de stress, c'est bon, elle est sereine. La soucoupe volante. C'est quoi le nom de sa chaîne? C'est Bina, tiré du bas, Chan. Avec deux i. Aïe. Vous avez vu les gars? Mais vais-moi le. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, Cyril! 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 J'ai besoin d'une traduction. Oh, Cyril! Oh, Cyril! Ça veut dire quoi? Fais-moi-le! Ok, ça veut dire regarde-le. Ah, j'ai été retrouvé sur le vieux port, là. Fais-moi ça. Putain, ça backstab. Le turn, en quick. Je l'aurais validé. Mais t'as ton loadout, t'as tes 3 plaques, c'est maintenant. Allez, c'est parti, regardez là, la plus heureuse. Elle a un 431. Elle est partie. 431. La ON qui est montée. C'est moi. Ça... Oh là là. Non. 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 Pas maintenant. Et alors là, pour le coup, je t'en prie, viens, mon ami. Viens. Tu veux. Bonsoir. Tu veux la. Tiens, on va prendre cette petite chaise. Oh, la chaise à litchi. La chaise à litchi. Oh putain. Toi. Lui. Alors en fait, j'ai besoin que tu me traduises. Ça mérite 20 euros, ça. Elle a un mien.
Elle a la miome, gros, elle a la miome, on papotait, je t'ai dépassé la chaise, j'ai rien vu. Bravo, c'est la miome, on a rien vu. C'est ma faute, c'est ma faute. Tiens, Cyril, il m'a foutu en l'air. Si on peut follow. Oh là là, il y a plus de résurgence. Elle fait un kill. Le turn un peu trop à gauche. Et elle termine combien tième? C'est un top 12. En vrai, son maquillage, sur 5, tu lui donnes combien? En vrai, là, non, 5 sur 5. Hein. 5 sur 5, ah ça... ouais, non, 5 sur 5. 5? Ouais, ouais. Si, du coup, si on traduit en argent, ça fait 500 euros, non? Ouais, c'est ça. Allez, c'est ça. On va envoyer 500 euros, chat. Elle va ouvrir PayPal. Elle va rentrer le code. Mais non! Merci, chaud! Merci! Comme quoi, faire la cagole, ça paye, en fait. Si vous voulez des cours, je suis là. Vous pouvez suivre ses tutos beauté merci sur sa chaîne. Merci à toi, merci pour ce que Binachan. Tu fais chez le centre, chez la famille, chez... Voilà. Tout simplement. N'hésitez pas. Je vous propose qu'on aille voir une chaîne. Je vous présente monsieur Nitro 918. Nitro, déconnecte, part en solo. Fait top 1 avec... Putain, comment elle s'appelle? Les gars, c'est quoi cette arme? L'OTS, non, l'EM2, voilà. Je lui demande de partir en solo, de faire top 1 avec l'EM2 et il gagne 800 euros. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nitro, j'espère que tu vas bien. Connect, pars en solo, fais un top 1 avec l'EM2, tu gagnes 800 euros. Oh putain la vache. Tu sens, là on parle de sommes qui vont lui changer, qui vont lui changer le mois, les gars. Et regardez, du coup les gars, il va jouer avec cette arme là. Et cette, et vraiment, elle tabasse l'EM2. Allez, régale-nous. What a spawn. Alors ça les gars, alors ça, c'est pas un spawn de Norby comme on dit dans le métier. Il a déjà l'argent, il peut déjà acheter. Ok, il part en slay, il fait tomber. Le deuxième peut-être, ok, les deux tombent. Il valide les deux kills, magnifiquement propre. Faut qu'il recharge l'arme, il va se faire push. Ça joue bien les gars. Du coup, ben là, les gars, il est parti avec l'EM2, on est sur une EM2 Diamati. J'ai pas vu s'il avait pris Phantom ou Livraison Express. Ça bouge pas du côté des Steam. Du coup, je dirais qu'il est en fantôme. Ah non, 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 il est le truc de deux plaques, là. Il est bien, il traque, il sait qu'il y a quelqu'un, il sait qu'il y a du monde. Ok, ça vient de tomber, il va lui cuter la rotation. Pile au moment où il achète, bam! La daronne en Y. C'est ta mère qui est en Y, la daronne. Ça dégage, les gars. Oh, le petit pré-shot, il entend quelqu'un. Belle, belle. Alors qu'il s'est pris une balle en premier, qu'est-ce qu'il a fait là les gars pour pas mourir? Il savait que s'il tirait au niveau du nombril, il allait mourir. Il a fait l'effort de rehausser son viseur au niveau du haut et de la tête pour avoir un multiplicateur de dégâts plus haut et gagner quand même le duel. On voit que c'est un joueur qui... Il a le son très très fort, ça se sent. C'est... Il arrive à très bien spatialiser où sont les ennemis. C'est un ultra et il a l'air très très chaud. Ok, il va en steam boost juste derrière lui. Il est au corps à corps et il le pénètre. Hop, chabite. Et c'est vraiment les valeurs que l'ancien streamer Mystosaurus voulait rallier. Le sud-ouest. D'ailleurs, un bonjour à tous les baïonnés qui nous regardent. Car ce week-end, c'est la fête du jambon. Et voilà, ça fait... Oh là là, oh là là, le corps à corps. Et les gars, il est bouillant. Qu'est-ce qu'il fait à 6 viewers? Les gars, qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il fait à 6 viewers? Qu'est-ce que vous branlez, putain? Déjà 10 kills, les gars, il reste 26 personnes. Il régale! Il régale! Oh là là, ça répond, ça atterrit. C'est la rue! Le fait qu'il joue avec le truc qui a deux plaques, qui rush partout comme un fou avec le Diamati, qu'il ait une EM2 point rouge, alors qu'il pourrait très bien avoir une AK point rouge ou une XM4 point rouge. Il cherche un peu d'originalité. Non mais les gars, il rase tout le monde. Ok, il a vu qu'il y avait un point dans le gaz. Il se doute que le mec est dans la maison. Moi, je pense qu'il est au fond de la maison. Ouais, il est au fond de la maison. Il y en a un autre à gauche, un autre qui tombe dans ton dos. Fais attention, tu l'as entendu. Voilà, ça lock très très bien. Il attend qu'il se relève. 3 kills validés, 3 kills validés sur un jump. Il est à 15 kills. Chat, je vous le dis, il rentre une pute 20, j'envoie 1000 euros. Bravo à toi. Tu viens de passer les 1000 follow en live. Oh, il m'a eu. Bien joué. Premier duel perdu. Il est pris par surprise par un joueur qui joue méta et son. Oh, 4 balles.
Allez, 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 poulet, c'est bien, c'est bien. Il tremble pas. Une fois qu'il est posé sur le mec, c'est bon. Il a du self-control. Tu sais qu'il y en a un à gauche. Plus haut. Non, non, non. Saute. Nice. Bien joué, super esquive. Très bon placement. Kill. Ta gauche. Petit kill facile à prendre. Il a de la réussite. Regardez les gars, son positionnement par rapport à la zone. Là, vous pouvez pas le voir parce qu'il y a le... Il y a le sponsor. Mais en gros, là vous avez pu un peu le voir. Il est complètement bord de zone. Il fait tout le flanc de zone. Il manque plus qu'un kill et il assure les 1000 euros les gars. Même s'il fait top 1, ça ira pas au-dessus de 1000 euros. Allez! Je ne dois pas tomber. Là il le sait. Je suis pas sûr qu'il le sache. Mais là il vient de valider 1000 euros les gars. T'as l'info poulet, tu sais qu'il y en a un à la tente en bas. Hop. Et elle tabasse trop. Elle tabasse trop. Alors là. Là ici il y a pas eu de réussite. C'est à dire que le mec à droite il allait mourir. Le mec à gauche il a eu le temps de se réa. Et lui en descendant il a perdu la position haute. C'était pas le move à faire de descendre. Il est descendu pour aller chercher le kill et faire le beau jeu. C'est très risqué. C'est là ce qu'il est en train de faire les gars, c'est il vous régale. Il a pris la décision de vous régaler. Parce que partir hors zone. Présent, il a dû en avoir deux. Alors que il sait pas qu'il y a je sais pas combien à gagner, enfin qu'il a déjà gagné je sais pas combien. Il y a XM4, il y a la Kalash. Et c'est pour ça ça m'a séduit de voir ce gameplay. Et le fait de le proposer en défi et que ça se passe aussi bien, ça me régale. Il attend. Oh le timing. Oh merde. Écoutez. Oh, je suis désolé. Oh, je suis désolé les amis. Oh, attends, il a pas compris. Il a pas compris qu'il nous a régalé à fond. Il était dans les gars. Il était dans son univers le bonhomme. Les ultras. On part sur un don. Donc. De 1000 euros. Est-ce qu'il sait que ça va arriver? Dites-lui de regarder PayPal maintenant! Oh putain, merci chaud! Oh non, merci chaud! Oh là là, incroyable! Oh putain! Franchement, merci infiniment chaud! Merci énormément pour cet événement, de m'avoir choisi! Merci à toute ta communauté aussi pour tout le soutien, pour tous les subs que j'ai reçus, les follow! C'est phénoménal, c'est incroyable! Franchement, oh, vraiment beaucoup d'amour à vous! Oh la vache! Les ultras, la cagnotte qui est là-bas vient d'atteindre les 0 euros. J'étais parti avec 7000 euros la semaine dernière. On les a distribués à la communauté Warzone, la communauté Call of Duty française. Je me suis pas aventuré au Québec ou en Angleterre ou même dans n'importe quel pays. Je me suis focus là, je trouvais que c'était le meilleur point pour mettre en avant les petits streamers. À la base, c'était pas le but de faire des stats incroyables avec ce truc. Le but, c'était surtout de faire kiffer les gens, que les gens adorent ça. Et au final, la semaine dernière, on était monté à plus de 13 000 personnes qui avaient regardé ça en live. Avec une moyenne à plus de 10 000, on est monté à 11 000 viewers. Vous étiez en moyenne 9 000 et des bananes. Donc juste un énorme merci pour votre soutien.